si j'étais une étoile, ce qui est génial, c'est les étoiles qui sont en train de naître dans des pouponnières d'étoiles. Ah ben je ne sais pas, j'aurais jamais pensé à ça. Je rêvais d'être dans un groupe d'étoiles pour pas être toute seule. Peut-être voilà, dans la Pléiade, je ne sais pas. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est va-t-on voir des étoiles ce soir? Ah bah bien sûr, là c'est clair. Hein. On va voir des étoiles. Normalement, on va voir en premier Vega qui sera là-haut et Arcturus qui sera par là. Le dispositif ce soir, c'est 5 animateurs avec un télescope. Un animateur qui est là, lui, pour raconter plutôt les contes, les mythes et les légendes autour du ciel. Et après, on a aussi des membres de notre bureau associatif qui sont là pour discuter un peu plus, eux, de l'association en elle-même. Je vous donne rendez-vous dès 21h, 21h30 pour découvrir la carte du ciel et à 22h pour observer les étoiles. J'ai mis l'œil dans un télescope pour la première fois à l'occasion d'une nuit des étoiles. C'est une expérience à faire, et au moins une fois dans sa vie. Et dans l'un des télescopes, c'était un point lumineux très fixe. Dans l'autre, c'était un petit point scintillant qui était vraiment très, très joli. C'est très poétique finalement.